Ah, c'est magnifique! Nous avons très bien fait de manger japonais. C'était un dîner parfait. C'était un jour parfait. Cette promenade sous la pluie et la ferme aux fleurs, oh, peut-on rêver plus délicieux? La pluie était enivrante, trempée jusqu'à la moelle. Vous en voulez encore un peu? Oh non, merci. Pas de danger, c'est un produit naturel. Oh, d'accord. Buvez, buvez un bon coup. Je prends des vis. Vice vertu, mieux vaut glisser. On se priverait de tout. Confucius disait, emprunter le bon chemin ne suffit pas. Fais en sorte qu'il te soit agréable. Confucius a dit ça. Ah, comme il est très, très sage, je suis certaine qu'il l'a dit. Vous êtes la personne la plus sage que je connaisse. Oh, moi? Oh, mais quelle blague! Tout ce que je sais, c'est quand je regarde autour de moi, c'est que je ne sais rien. Un jour, en Perse, nous avons rencontré un sage professionnel. C'était son métier. Il vendait aux touristes des têtes d'épingles avec quelques mots gravés. Et cela aussi passera. Frédéric en acheta une. Rentré à l'hôtel, je pris la loupe et je lus sur la tête de l'épingle. Et cela aussi passera. Le sage avait raison. Mettez ça en pratique et votre vie sera comblée. Je n'ai pas vécu. C'est vrai, mais je suis mort plusieurs fois. C'est-à-dire? Mort 17 fois, sans compter les mutilations. Très ingénieux raconté. Tout d'abord, ce qu'il faut, c'est le timing et l'expérience. Voulez-vous vraiment que je vous raconte? Et comment? D'accord. La première fois, je n'étais pas préparée. Je faisais au collège, dans la salle de chimie. Je travaillais sur une expérience. Je mélangeais des produits, tout ça, très scientifique. Et tout à coup, tout explose. Un énorme trou dans le plancher. Je me retrouve par terre, les cheveux brûlés. Je me relève. De la fumée et des flammes partout. Je me suis dit, il faut que je sorte de là. Par chance, j'ai vu un vieux vide d'ordure. Je me suis glissé à l'intérieur et je sors. Le toit était complètement en feu. Des gens criaient, on sonnait l'alarme. Je me suis dit, autant rentrer chez moi. Ma mère donnait une réception. Je suis rentrée dans ma chambre par la porte de derrière et tout à coup, on sonne à la porte. J'ai regardé par-dessus la rambarde qui c'était la police qui venait annoncer à ma mère que j'étais mort dans l'incendie à l'école. Je n'ai pas vu son visage, mais elle chancelait en regardant les invités. Une main sur le front et l'autre tendue comme si elle cherchait un appui. Deux hommes se précipitèrent vers elle. Et après un long, long soupir, elle s'effondra dans leurs bras. J'ai alors compris qu'être mort me faisait vraiment plaisir. Je comprends. Beaucoup de gens aiment ça, passer pour mort. Mais ils ne sont pas vraiment morts. Ils tournent le dos à la vie. Il reste assis sur les bancs des stades en regardant le match, le seul qu'ils ne verront jamais. À chaque instant, il pourra y participer. Mais ils ne font rien. Mais allez-y, mon Dieu, jouez, vivez. Tant pis si ça fait mal. Go, go, go. Sinon, de quoi parlerez-vous, Bestiaire? Je vous aime bien, Maud. Oh, moi aussi, Harold. On va chanter. Chanter? Oh, ne me dites pas que vous ne savez pas chanter. Tout le monde sait chanter. Même moi. Venez. La mer est en bleu entre deux rochers bruns. La mer est en bleu entre deux rochers bruns. Je l'aurais aimé en orange. Je l'aurais aimé en orange. Ou même en arc-en-ciel, comme les embruns étouffants.
voudrais changer les couleurs du temps, changer les couleurs du monde. Le soleil, le vent, la rose et le vent, le sens où tournera ma ronde. Et l'eau d'une larme et tout l'océan qui gronde. Eh, hey, mais ce n'était pas si mal. Oh, si on jouait de quelque chose ensemble. Oh, je ne sais plus de rien. De rien? Oh, mais qui a pris soin de votre éducation? Tout le monde devrait être capable de faire un peu de musique. C'est le langage universel, la grande danse du cosmos. Attendez, je vais regarder ce que je pourrais trouver. Un harmonica. Ah, oh, non. Une clarinette? Non. Oh, voilà, j'ai trouvé. Une guitare. Voilà, ça sera parfait. Attendez. Comme cela, et placez vos doigts un petit peu partout. Ça n'a que de très lointain rapport avec la musique. Oh, mais faites d'abord connaissance. Quand vous serez devenus amis, laissez la musique couler en toute liberté. Si vous dansiez. Comment faites-vous? Oh, rien de plus facile. Regardez. Un, deux, trois, 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 un, deux, trois. Vous dansez. Corps. Vous savez ça. S'entendre
moderne, évidemment. Vous jouez? J'apprends. Et vous? Je prenais des cours de guitare, mais j'ai dû abandonner, car cela me donnait la cale au bout des doigts. Et une comédienne ne peut se permettre d'avoir un instrument caleux. C'est évident. Vous jouez beaucoup au théâtre? Je me pratique tous les jours, méthode d'orange, l'instrument toujours accordé. Récemment, j'ai pratiqué les classiques tels que Shakespeare, Bernard Shaw et bien sûr sa Cléopâtre. Je voudrais lui donner l'accent arabe. Mais quelle belle collection de lames! Vous l'avez dit! J'ai dit quoi? C'est une belle collection de lames! Vraiment? Vraiment. Tenez, ceci, par exemple, est un sabre de harakiri. Quel pied! Une ancienne cérémonie japonaise. Comme le thé? Pas tout à fait. Regardez, comme ça. C'est... T'as fait!